Le minuteur. Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter mon rangement Vimo numéro 3. Donc ça fait vraiment longtemps que je vous avais promis cette vidéo et là voilà que maintenant. Donc mon atelier n'a pas changé de place, il est toujours donc dans mon armoire hein, comme vous pouvez voir. Et la seule petite chose qui a changé, c'est que j'ai enlevé un des tablards, ce qui fait que cet étage est maintenant plus haut et je peux y glisser mon trépied avec mon appareil photo, ce qui n'était pas le cas avant. Donc maintenant les tutos, je peux les filmer directement depuis mon atelier, j'ai pas besoin d'aller ailleurs. Et cela explique aussi pourquoi on a à peu près tous les rangements concentrés de ce côté-ci et à peu près rien ici. C'est parce que quand je mets mon trépied, bah, je le mets là. Et il faut pouvoir ôter les choses assez facilement. Voilà, c'est plus simple d'ôter ces choses-là qu'une grosse tour ou des trucs comme ça. Donc on va tout de suite commencer par cet étage. Après on fera celui-ci qui est le deuxième principal, si on peut dire ça comme ça. Et je finirai par ces deux étages-là un peu rapidement. Donc je m'excuse pour la luminosité, mais voilà, j'ai la lumière de la lampe artificielle, bref. Donc on a tout d'abord ma plaque de verre où je filmote, donc en fait je l'ai cassée parce que je suis trop pas douée, mais voilà, l'espace là me suffit. Après ici on a, pardon du bruit, on a mon scotch double face, des allumettes. On a ensuite deux dérouloirs de chaîne que j'ai fait moi-même avec ici la chaîne de chez Après Création et là ma chaîne de chez Little Jade. On a ensuite deux pots à outils, donc ici ce sont les feutres, pinces, des petits pots de peinture là, il y a aussi des ciseaux, enfin voilà. Et le deuxième c'est plus les outils Fimo, donc il y a des pinceaux, rouleaux, lames, brosses à dents, les outils de base. Après ici on a six coulis, donc voilà que j'utilise assez souvent, donc c'est Fimo dupe, Fimo liquide. Juste là on a ma pasta machine, donc coucou. Donc comme ceci, que j'ai mise sur une boîte de chez Ikea transparente, parce qu'en fait si je la mets à même le tablard, on va dire plutôt, à même le sol, ça ne jouerait pas. Bah en fait je peux pas passer la manivelle vu que ça arrive bah, plus bas que la pasta machine quoi. Ici on a mon petit support pour mon téléphone quand je Skype quelqu'un. Ici on a un moule que j'utilise vraiment très très peu. Après, tout sur les murs, on a plein de petits mots, tout ça, tout ça. Donc, il y en a encore plein qui sont cachés là derrière qu'il faut que j'enlève pour que je les recolle par là. Enfin, voilà quoi. Ici en haut, on a une tige avec dessus tous mes washi tape des côtés, enfin, tout ce que vous voulez. Et ici, on a des bobines de ruban de chez Perlaya. Donc, c'est un très bon plan si vous cherchez des rubans pour pas cher. Je vous conseille d'aller les commander sur Perlaya parce que vous avez un rouleau comme ça de, je crois, 20 ou 25 mètres, je sais plus très bien, pour 1,20€, quelque chose comme ça. Donc, c'est vraiment pas cher. Ensuite on passe à cette tour qui est nouvelle. Comme vous pouvez le voir, je n'ai plus ma petite tour grise qui faisait 16 tiroirs. J'en ai une plus grande qui fait maintenant 30 tiroirs. Et pour ceux que ça intéresse, c'est la tour Stanley à 30 tiroirs donc. Et je l'ai achetée à Cobrico Loisirs, donc les Suisses normalement vous devrez connaître. Et je l'ai payée je crois une quinzaine de francs, quelque chose comme ça, entre 15 et 20 francs. Donc c'était une bonne affaire. Donc sur le dessus, j'ai tout d'abord mon gros pot de gel antibactérien, de la peinture rose, mes deux pots de Fimo liquide, donc le vraiment très très vide, ouais, il est presque vide quoi, et le plein, du talc, de la peinture blanche ici, de la colle, ma réserve de cure-dents, du bicarbonate. Ici on a plein de vernis, donc le triple gloss, le glacificateur de chez Cléopâtre, le velours de chez Cléopâtre, le Fimo ici, de la poudre à embosser, de la poudre Fimo. Et dans ce petit pot, on a des cure-dents et des cotons-tiges. Et là, on a ma télécommande de radio. Bref, voilà pour le haut. Je passe maintenant à la tour. Donc, ici, ce sont les porte-clés. Donc, les serpents et derrière, les anneaux simples. Ici, les straps, les grelots et des petites perles un peu bizarres. Ici, on a les supports de boucles d'oreilles américaines, les puces et les bouchons. Les bagues adultes, enfants et filigranes. Et derrière, c'est les barrettes. Ici, on a les mousquetons, les chaînes, donc chaînes colorées de chez Après Création, chaîne B et réserve de chaîne de chez Little Jade. Après, dans ce tiroir, on a mes supports marque-pages et derrière les grandes breloques couverts. Ici, on a tous mes cabochons et les strass. Ici, on a toute ma porcelaine, donc mes assiettes et mes tasses.
Là, on a des coupes à glace et des tasses en plastique. Ces deux tiroirs, ce sont mes fioles. Donc ici, on a les 22 mm. Ici, les 18 mm et les grosses fioles, voilà, derrière. Ici, on a mes broches, mes griffes 10 mm et mes griffes 6 mm. Ici, on a plein de perles de verre. Et là, il y a un sachet de perles que je n'ai pas encore rangé. Ces deux tiroirs, ce sont mes petits rubans. Enfin, les rubans que j'ai pas en grande bobine comme là. Ici, on a mes camés avec les bulles et les porte-photos. Ici, ce sont toutes mes cannes filmo, là, toutes les paillettes. Ensuite, tous ces 5 tiroirs, ce sont mes nœuds. Donc ici on a les Vichy, donc bleu, violet, rouge, Vichy noir, les nœuds autres, donc un peu des gros nœuds comme ça. Des nœuds orange et jaune normalement, mais je n'ai plus de nœuds jaunes, voilà. Ici normalement c'est violet, rose pâle, fuchsia, bleu, vert, marron, et derrière c'est noir, gris et blanc, donc c'est à pois blanc la plupart du temps. Et là c'est les nœuds satin, donc ici j'ai dans les tons rose et corail, blanc et rouge, et là chocolat et beige. Ici j'ai toutes mes attaches, donc et puis ton tige à tête plate. Ces deux tiroirs, ce sont tout... Oula, je fais tomber les trucs. Bref, ce sont mes emporte-pièces, donc voilà. Juste là, ce sont tous mes bâtonnets d'Eskimo, donc ce sont les gros. Et là, ce sont les bâtonnets de sucette avec des pincettes pour faire mes supports porte-photo. Après, bon, là, on a des petits trucs un peu que je dois ranger en vrac. Ici, on a mes bailleurs à coller et des anneaux fermés et des anneaux doubles. Et pour finir, ici, on a mon clé gun que je n'utilise pas. Donc, juste là-devant, là, on a trois faux... Enfin, des sables, en fait, ce sont des sables colorés que j'utilise en faux sucre. Là, c'est des trucs pour mon armoire. Sinon, c'est des créations qui sèchent. Là, il y a une boule de pâte. Bref, c'est un petit peu dégueulasse. On va passer à ces deux tours que j'ai achetées à Carrefour pour 5€ l'unité. Elles étaient en promotion, mais sinon elles sont à 7€ je crois. Donc ici, premier tiroir, on a tous mes colliers, donc que ce soit les PBO, les Décomètes, les Tulipes, les Padico, les Glitters, les Wipam, enfin voilà, vraiment tous mes colliers qui sèchent à l'air. Ici on a mon tiroir à boîte, donc on a tout d'abord mes petites boîtes là que je vous montre juste après. Et sinon on a mes lames fimo, des microbilles, de la peau de velours, du faux sucre de chez Miniature Suite. Donc ces deux boîtes de 7 compartiments, ici et ici, sont remplies de microbilles, donc je vais pas vous les sortir. Je vais en mettre plus partout que autre chose. Ensuite on a cette boîte là qui est ma boîte à anneaux, voilà, donc c'est la fameuse boîte d'anneaux. Après ici on a ma boîte de mini après, comme je l'appelle. Donc on a ici les plugs, les embouts à cordons, les aimants, les petites broches, les fermoirs Shelby, les bellières, et là c'est des embouts à cordons il me semble. Après on a mis deux boîtes de breloques, donc voilà à peu près, donc les cartes à jouer, les étoiles et les ailes, les ennemis, les made with love, les cœurs je crois, enfin les, sur le thème de l'amour, les breloques nœuds, les fourchettes, cuillère, couteau, fourchette, les created for you, les thèmes nourriture, autres. Donc voilà. Ensuite, ce tiroir, ce sont les outils que j'utilise presque plus, voire pas du tout. Voilà, ce sont un peu les outils, gâchés, quoi. J'ai acheté pour rien, mais il m'arrive d'en ressortir quelques-uns quand j'en ai vraiment l'utilité. Ensuite, dans sa copine, ici on a tous mes moules, donc Silicone, Amazing Mall Petit, Wipam aussi, enfin voilà. Ici, normalement, c'est le tiroir des créations qui vont aller au four. Et ici, c'est les créations que je dois un peu m'occuper, donc voilà. Juste là dans le coin, on a mon agenda avec les vidéos qui sont prévues, voilà. Donc je note tout dedans. On a ma plaque de texture gaufre et une scie. Juste là, on a mes pastels secs, donc j'ai sélectionné les couleurs que j'utilise le plus souvent. Et c'est tout pour cet étage. On passe maintenant à celui-ci, donc je m'excuse si la luminosité baisse un peu. Donc, tout d'abord, j'ai cette tour qui est toute nouvelle, que j'ai achetée, je crois, à Hobby pour 15 francs aussi, quelque chose comme ça. Elle était en promo, donc c'était une bonne affaire. Donc, sur le dessus, j'ai du papier toilette, ça remplace le sopalin. Derrière, c'est une boîte avec mes créations ratées.
cette boîte et ce tiroir vont ensemble, donc je pense que vous l'aurez compris, ce sont tous mes pains de Fimo entamés. Donc je vais pas ouvrir le tiroir parce qu'il est plein à craquer. Et dans cette boîte là, ce sont les couleurs que j'utilise un peu moins souvent. Et il y a aussi mes pâtes qui sèchent à l'air libre, comme ma mère Maid Puffy et d'autres pâtes de ce genre quoi. Ensuite, dans ce tiroir, on a tout derrière le truc violet là, mon Amazing Mopoly. Après, on a mon silicone, donc le blanc et le bleu là. De l'Umaru, du Raffia, ma résine, mon moule pour la résine bleue là-dessous. Ma cuillère spéciale silicone. Et ici, on a trois peintures vitrail de chez PBO. Donc, on a la jaune ici, la rouge et la verte. Ensuite, ici, c'est mon tiroir à chantilly. Donc, il y a déco 3D, Wipam et foie. Donc, voilà. Et là, il y a les chantilly ouvertes. Ici, c'est toutes mes douilles. Et il y a une petite brosse à dents spéciale nettoyage de douilles, en fait. Cette brosse à dents est juste parfaite parce que les poils sont genre hyper souples. Du coup, pour se glisser dans les petits recoins des douilles, c'est juste le truc le plus pratique. Ensuite, ici, c'est tout ce qui est papeterie, donc enveloppe bulle, sachet zip, carte de visite, sachet organza et j'en passe. Ici, ce sont les créations que je dois soit prendre photo pour la boutique, soit que j'ai des commandes. Donc d'ailleurs, ça c'est les restes de ma brocante. Donc vous voyez qu'il reste vraiment rien. Donc je vais recommencer ma boutique, donc à Little Market. Je sais pas si vous êtes au courant que j'en ai une, mais il n'y a plus de créations dessus parce qu'elle ne me plaisait pas. Et je vais remettre des créations dessus, donc à partir de juillet. Donc voilà, soyez là si vous voulez commander. Et le dernier tiroir, c'est mon tiroir stock avec toute ma Fimo en stock, ma colle en stock, enfin tout ce qui est en stock quoi. Donc voilà. Ici, c'est la réserve de plaques. Voilà, donc très pratique. Ici, on a plein de papiers avec les pop-up corn, des étiquettes, des napperons, des livres, plastique fou, enfin j'en passe. Dans cette tour en bois, il y a tout simplement mes créations. Donc là, c'est les nouvelles créations du mois dernier, en fait, qu'il faut que je finisse. Enfin voilà, il y a plein de créations. Juste là devant, on a mon papier, enfin mon truc pour les macarons, quoi. Ici, on a de la peinture ardoise. Et tout là derrière, ce sont tous les présentoirs. Et juste là, donc dans cette boîte, généralement, je mets mes nouvelles créations. On a ici un petit carrousel avec des tranches de canne. Ici, c'est une boîte avec plein de choses pour les miniatures, donc cornets de glace. Là, on a des bâtons pour les pépites. Voilà, enfin, je vous laisse regarder. Et cette boîte-ci, en fait, c'est des créas que je dois monter. Donc, vous les verrez tout bientôt dans ma vidéo nouvelle création. Ensuite, on passe à cet étage-ci. Donc, ici, on a des mini bâtonnets de glace. Ici, c'est ma boîte que j'ai fait en tuto pour la fête des mères. Et dedans, je range, en fait, les créations que vous m'offrez, vous, mes abonnés. Voilà, ce sont les choses auxquelles je tiens vraiment le plus. Donc, je les mets dans cette jolie petite boîte. Après, ici, on a du ruban organza. On a une boîte vide, des crayons, un maquette de Noël. Boîte vide. Peinture orange. Là, derrière, on a de la peinture. Mes pastels secs, le truc blanc et ma boîte à perles. Et ça, c'est un truc à macarons que j'ai récupéré et je fais des mélanges dedans. Enfin voilà, c'est un peu le bordel cet étage là, je vous le cache pas. Et en dessus, c'est tout ce qui me sert à faire mes présentoirs, mes autres choses. Voilà, enfin il y a aussi mes réserves de faux sucre. Enfin voilà, il y a plein de petites choses. Tout ça, c'est de la mousse. Donc voilà pour la vidéo rangement Fimo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas tellement d'autres choses à vous montrer en ce qui concerne les loisirs créatifs et la Fimo, à part quelques créations mises sur les présentoirs. Mais voilà, c'est pas très très intéressant, donc je vais m'arrêter là. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires en me disant des vidéos que vous aimeriez que je fasse, que ce soit des tags, des tutos, enfin ce que vous voulez. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et à la prochaine. Bye.